universitaire de la province de Liège organise pour la troisième année consécutive la journée de la collecte de dons de sang en collaboration avec la Croix-Rouge. Nous vous attendons le samedi 6 mai, place Saint-Lambert, de 9h30 à 17h30. Sur place, deux cannes de transfusion et une navette vers le centre de la Croix-Rouge. Je vous présente Linda, qui est médecin à la Croix-Rouge et qui va pouvoir nous donner plus d'explications par rapport aux personnes qui souhaitent donner leur sang. Linda, quelles sont les recommandations que tu pourrais donner à une personne qui souhaite venir donner son sang? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais d'abord vous remercier parce que l'année dernière, vous avez été plus de 180 donneurs à donner de votre temps et de vos personnes pour cette campagne de don du sang. On espère que cette année, vous allez pouvoir être au rendez-vous. Quelques lignes directives. Première chose, être majeur. Avoir au moins 18 ans pour pouvoir se présenter au don du sang. Si c'est la première fois que vous avez donné, venir avec votre carte d'identité, elle vous sera demandée. Deuxième ligne directrice, si dans les 4 mois qui précèdent le don du sang, vous avez subi une intervention chirurgicale ou un examen endoscopique, à ce moment-là, abstenez-vous de venir. Troisième information importante, si dans les 4 mois qui précèdent le don du sang, vous avez eu un changement de partenaire sexuel, un nouveau partenaire ou un premier partenaire sexuel, à ce moment-là, abstenez-vous aussi de venir. Et la règle d'or, la règle à respecter, c'est de venir en ayant l'estomac bien rempli. Donc ne pas venir à jeun, ce n'est pas une simple prise de sang, bien manger. Avec tout ça, normalement, ce sera OK. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, nous sommes toujours à votre écoute. Nous espérons donc vous voir le samedi 6 mai pour cette troisième campagne du don du sang. Et Ali, n'oublie pas de donner son sang. C'est de l'énergie.